offrande du jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. Disposons-nous pour l'action de grâce. Mon Dieu, merci de m'avoir envoyé le Christ, ton Messie. Apprends-moi à le reconnaître, à le suivre, à me laisser guider par sa voix. Ne permets pas que je le rabaisse ou l'instrumentalise selon mes intérêts. Amen. Prenons un temps de silence. Et maintenant le psaume 23. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutiennent également en ce jour. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle, dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.